Ah, Ethan Winters. Bienvenue. Je n'imaginais pas que tu survivrais à Donna et Moreau, mais je suppose que tu en as vu d'autres en Amérique, n'est-ce pas? Je t'aime bien. J'aimerais discuter avec toi de Rose et de Miranda. Allez, entre. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas un piège. Qu'est-ce que tu prépares? Mia ? La vérité fait mal. Laisse-moi deviner. Tu comptes m'éliminer comme les autres, comme ça tu pourras sauver Rose, c'est ça? Je veux guérir ma fille. Écoute, tu es à côté de la plaque. Je suis en train de parler, là. Arrête-moi ce boucan ! Désolé. Assieds-toi. Écoute, Ethan, on te mène en bateau. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu crois que c'est un jeu? J'ai dit assis! La grognasse avec son gros cul. La folle avec sa poupée. Et ce monstre débile. Tu saisis pas. C'est un test. Pour voir si t'es assez fort pour rejoindre la famille de Miranda. J'ai aucune envie de faire partie de sa famille. J'étais comme toi, mais voilà. Et je suis le prochain, c'est ça? Tu me tues et tu prends ma place? Allez vous faire foutre! Et si tu savais comment je m'en tape de tes problèmes? Tout ce qui m'intéresse, c'est ma fille. Moi aussi. Tu as une idée du pouvoir que détient cette gamine? Même Miranda en a peur. Je te jure, du coup, c'est la dernière fois! Toi et moi, Ethan. Ensemble, on sauve Rose, et on l'utilise pour réduire Miranda en miettes. Ma fille n'est pas une arme. Va chier! Dernière chance. T'as pas envie de savoir ce qu'il y a dans ce trou? Je prends le risque. Tu l'auras voulu. Un cul-de-sac. Ah putain! Un cul-de-sac.
pas le choix. C'était quoi cette horreur? Que je remonte.
lui qui a fait ça. Ça semble utile. Ah!
kidnappe de Miranda. Je suis vraiment, vraiment déçu. Elle m'a forcé, nous a forcé à être ses enfants. Elle m'a enfermé dans ce village. Des décennies à être à sa botte. Peux-tu seulement comprendre cette humiliation? Oh, Ethan, quelle déception. Je pensais qu'on pourrait unir nos forces contre cette salope de Miranda. Je suis vraiment, vraiment déçu. Elle m'a forcé, nous a forcé à être ses enfants. Elle nous a enfermés dans ce village. Des décennies à être à sa botte. Peux-tu seulement comprendre cette humiliation? Contrairement à mes frères et sœurs, tout ce que je veux, c'est me libérer de cette connasse. J'ai donc besoin de puissance. Assez de puissance pour pouvoir l'anéantir. Tout ceci est le fruit de ma puissance. Les forts écrasent les faibles, ainsi va le monde. Tu n'aurais jamais dû me dire non, Ethan. Quel taré!
Je vous propose de nouveaux services. Venez. Naturellement. Ah. Les petits ruisseaux font de grandes rivières, comme on dit. J'ai de nouveaux articles pour vous, Monsieur Winters. Ah, je vois que vous avez l'œil. Ah! Bonne journée. Il y a encore du chemin. Nous ne sommes que des enfants. Oh, c'est pas qu'elle nous aime. Ça, non. Elle a perdu son humanité depuis longtemps. Je dois l'anéantir. Arrêtez de me saouler avec tes histoires de famille. Come on.
Modèle ! Je trouve un moyen de l'arrêter.
Bientôt, elle commencera sa cérémonie avec ta rose. Si ça se produit, c'en est fini. Pour ta fille et pour tout le village. Mais ne t'en fais pas. Je l'en empêcherai. J'utiliserai Rose pour tuer Miranda. Pauvre papa. Tu es le seul à ne pas voir le pouvoir de ton propre enfant. Tu veux Rose ? Essaie un peu pour voir. Ah, ça continue. Bienvenue, Ethan. Une bonne affaire, si je puis m'exprimer ainsi. Puis-je choisir quelque chose pour vous ? Ah oui, c'est normal que vous soyez intéressé par cela. Je vous souhaite de faire bonne route.